travailler le gainage actif. C'est mon deuxième exercice de gainage. Le gainage, très important pour toute la ceinture abdominale, j'ai déjà dit sur le premier exercice. Donc là, je fais des petits mouvements. En fait, c'est comme le gainage passif, mais je fais des petits mouvements en bas. Monte, descend, monte, descend. La première fois, j'irai jusqu'à 10. Et puis après, j'essaierai d'aller jusqu'à 12, 13, jusqu'à 20. Puis je change. Deuxième position, je me mets sur les avant-bras. Dans cette position, attention de bien serrer les fessiers et les abdominaux pour ne pas se faire mal au dos. Et je passe main, main, comme si j'allais faire des pompes. Et coude, coude, main, main, coude, coude. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Si j'en fais au départ 5, c'est déjà bien. Et petit à petit, j'essaye d'aller jusqu'à 10. Puis, je vais passer sur ma dernière série de gainage actif. La troisième, hein, toujours 3 positions de gainage. Sur mon dernier côté, je renforce vraiment particulièrement les obliques dans ce gainage actif. Mais toute la ceinture abdominale, donc très important. Il est dur celui-là. On essaye d'aller jusqu'à 10. Et si je peux, petit à petit, de gagner jusqu'à 12, jusqu'à 13, jusqu'à 20. Donc 3 positions différentes avec des répétitions de 10 jusqu'à 20, comme je peux, et avec des petits mouvements pour faire le gainage actif. Merci.